Divers cris dans Port-au-Prince levé matin sa bloqué. Plusieurs nan yo tournoi ak la fumée. Sotiri pavé pour rive boulevard Jean-Jacques Dessalines, c'est caoutchouc kap boulé ak gros roche qui envahit route yo. Comme yo te annoncé, divers citoyens dans la capitale là prend l'aria pour manifester mécontentement yo face ak projet loi 2017-2018 là qui d'après yo pas dans intérêt peuple là. Nous pas de voter président Jovenel pour ça. Ça qui a privé là et pas pour ça de voter. Nous pas besoin pays façon que Jovenel veut faire là. M'a demandé mobilisation dans toute circonscription honnête. Sorti en bas la ville pour arriver sur route d'Elma, situation pas trop différent. C'est en bas gros flamme d'ife ak pil roche mon a tenté échapper pour yo à cause manifestant yo qui t'a prend direction Pétionville. Dans zone d'Elma 22 en bas gros pression, divers citoyens menacés journalistes radio télésignal qui t'a couvri mouvement. Yo mande nous fermer caméra à cause d'après ça yo dit signal a travail pour pouvoir en place là. Manifestants ça a décidé quitter nos parti. En bas gros la Pérez nous décidé continuer route nous. Dans chaque coin sur Delma c'est en biscade, caoutchouc pile sous pile. Rivé dans zone Delma 17, manifestants yo té mauvais en pile. Comme ça, chaque monde veut exprimer revendication yo. Nous prenons la rue aujourd'hui là pacifiquement pour nous dire Jovenel cette histoire pour le publier l'obéi nègre qui a voté dans le Parlement. 1er octobre là, nous regrettons, nous vraiment regrettons ça pour lui. Nègre a pris des décisions dans la chambre qui va en faveur nous. L'en considérer budget parlementaire 7 milliards de gouttes pour faire qui ça? Pour voter loi? Ou bien est-ce que nègre a pris des décisions tout? C'est en faveur peuple à prendre des décisions. Malgré les tensions qui sont là, mission nous pas arrêter là pour autant. Destination Pétionville. Dans Delma 42, manifestants ont été plus violents. Des vendangers, ça représentait nous obligés de faire bac. Manifestants, ça n'a pas épargné rien sur route. Comme ça, ils ont écrasé diverses vite machines. Dans Delma 71, ils ont mis des fées dans une machine qui trouvait le devant local Unibank. Et puis même rivé craser vite plusieurs portes avec finette institution ça cap offrir service li à population haïtienne nan. C'est ancien candidat pour poste président Petite Dessalines nan Moïse Jean-Charles qui t'a lancé manifestation dans l'idée pour dénoncer projet loi finance lan qui déjà voté dans des branches parlement. C'est premier gros mouvement protestation avec violence qui réalisé comme ça dans la Port-au-Prince depuis le président Jovenel Moïse rivé sous pouvoir 7 février passé.